Et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Geek Tech. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, avant de commencer en fait ce tuto, je tiens tout simplement à vous remercier tous ceux en fait qui suivent la chaîne et qui n'hésitent pas à poser des questions. Je remarque plein de questions de plusieurs abonnés et non abonnés et voilà, vous remarquez que je n'hésite surtout pas à répondre du moment que je suis bien évidemment disponible. Cela me fait vraiment plaisir et ça me permet en fait d'augmenter au niveau de la chaîne les performances, que ce soit au niveau des vidéos ou par rapport à vos demandes. J'essaie bien sûr également d'en ajouter dans les parties nécessaires. Donc n'hésitez surtout pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de vous abonner. Ça vous permettrait d'avoir les derniers tutos et astuces que je mettrai bien sûr à votre disposition. Alors pour aujourd'hui, pour commencer, on va parler des meilleurs outils que je peux vous proposer aujourd'hui afin de garder votre ou vos logiciels d'une manière toujours à jour. Donc certains pensent que ce n'est pas nécessaire et que ce n'est pas besoin. Voilà, il n'y a pas, on va dire, une nécessité de mettre à jour les logiciels, mais cela en fait permet de résoudre un tas de problèmes comme la sécurité ou les bugs, donc grâce à des correctifs, ainsi que les failles au niveau de la sécurité en question. Donc tout cela vous permet bien sûr d'avoir de meilleures performances au niveau de votre ordinateur et également que ce soit au niveau des bugs, comme on l'a dit, au niveau de sécurité, ça permet également que vous ne puissiez pas avoir des logiciels malveillants qui rôdent au niveau de votre ordinateur et qui fait des attaques de type particulier dans un certain cas de figure, voilà, où ça peut bugger le système en entier. Voilà, donc concernant cela, il peut y avoir, voilà, comme on l'a dit, des failles exploitables. Donc il est préférable de garder vos logiciels à jour. Et je vais vous montrer dans quelques instants 5 logiciels ou 5 méthodes qui vous permettent de faire cela, en téléchargeant bien sûr 5 programmes qui sont disponibles, hein, que j'ai pu vérifier et tester. Donc il y a Update Notifier. Donc celui-ci en fait vous informe tout simplement de toutes les mises à jour de logiciels, donc que vous pouvez bien sûr télécharger. Donc ce sont des logiciels gratuits, d'accord, donc c'est déjà marqué free tout en rouge, donc il n'y aura aucun problème sur ce point. Vous avez également le logiciel Personal Software Inspector, dans le même thème, très ergonomique, et il permet d'exécuter un scan de votre système automatiquement et mettre à jour les logiciels directement, soit en arrière-plan, soit en sélectionnant directement les programmes. Ça dépend de la configuration que vous allez faire. Vous pouvez le configurer comme bon vous semble, donc il n'y aura aucun problème. Et voilà, vous pouvez en fait sélectionner les mises à jour qui sont disponibles. Vous avez également le logiciel FileHippo. Donc comme on l'a dit, on parle toujours des mises à jour, donc on reste toujours dans le même thème. Et celui-ci vous permet d'analyser votre système et vous informe également depuis quand la mise à jour est disponible. Donc on va vérifier tout cela par la suite. Il y a également App Update ou Updater. Donc également pour les mises à jour, donc voilà, donc toujours dans le même thème, hein, des applications, voilà, donc développées par un programmeur normalement. On voit bien qu'il n'est pas assez récent, mais qui peut être toujours utile. Donc à découvrir également. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser l'un des 5 ou 2, voilà, donc ça dépendra de votre besoin. Vous avez également le programme Sumo que vous pouvez également télécharger, qui vous permet de savoir les mises à jour que vous avez dépassées et ceux qui sont déjà à jour. Donc tout cela, voilà, c'est vraiment possible, il n'y aura aucun problème. Donc que vous pouvez télécharger gratuitement et sans aucun souci de paiement quoi que ce soit. Donc on va essayer d'utiliser certains. Donc on va aller sur Updater ou Update Notifier. Donc il est en train de s'ouvrir. On va vérifier tout cela dans un instant.
Voilà, donc dès l'ouverture, on voit bien que il y a par exemple actuellement que Iobit, une installeur qui n'est pas à jour. D'ailleurs, je vous conseille de l'installer, ça vous permet de désinstaller tous les programmes d'une manière correcte et complète. Car, et je l'ai déjà en fait présenté auparavant, si vous suivez en fait la chaîne, comme quoi en fait, quand vous désinstallez avec programmes et fonctionnalités de Windows, ça désinstalle pas ou ça ne supprime pas tous les paramètres ou tous les programmes ou fichiers du logiciel que vous avez par exemple désinstallé. Voilà, ça gardera des fichiers et ça se cumule à force à fur et à mesure de l'utilisation. Donc Iobit Installer, par exemple là je peux cliquer et je peux télécharger la dernière version. On voit bien qu'il y a également certains programmes recommandés également que je peux également télécharger et mettre à jour également, genre l'antivirus actuellement. Voilà, comme quoi voilà, il y a une dernière version qui est disponible. Donc on peut toujours faire un check now afin de rafraîchir la liste et au cas où il y a d'autres choses qui n'a pas été détectées. Donc voilà, ça c'est d'un point, vous voyez que c'est vraiment simple. Donc ayant fermé le programme, en fait ça l'a mis automatiquement dans la barre de notification. Voilà, donc on voit bien que ça reste toujours ici pour checker les mises à jour. Il y a également File IPO, donc on va l'ouvrir. Donc ce dernier également n'est pas très compliqué, donc voilà, on voit bien que par exemple, contrairement à l'autre application, ça nous permet d'avoir plus de mises à jour nécessaires. Par exemple le Firefox, il y a une version bêta, donc je peux ignorer comme mettre à jour. Le CCleaner, voilà, donc on voit bien qu'il a trouvé plus de programmes, de logiciels à mettre à jour. Donc également dans la partie applications installées, on peut vérifier ceux directement qu'il faut checker et mettre à jour. Donc on voit bien qu'il y a la petite astérix juste à côté. Et au cas où on l'a ignoré, ben on a la partie mise à jour ignorée, donc on peut bien sûr retirer par la suite. Vous avez bien sûr les paramètres que vous pouvez modifier sans aucun problème, donc au niveau de la langue, le thème, l'emplacement pour télécharger les mises à jour. Donc voilà, ce n'est pas très compliqué comme vous remarquez et c'est facile à utiliser. Donc on va vérifier un dernier, mais je peux vous dire que c'est en globalité les mêmes on va dire utilisations. Donc voilà, dès que je l'ai ouvert, on voit bien que il m'a marqué les mises à jour nécessaires. Donc on va essayer de fermer encore une fois. Parce que normalement ça doit donner un scan. Alors. Voilà, normalement en fait vous aurez en fait un petit bouton qui vous permet de scanner. Donc comme il a déjà scanné le système, on voit bien que il a trouvé, voilà, programme nécessitant une mise à jour. Donc il y en a 5. Donc on voit bien que l'un ne trouve pas la même chose que l'autre. C'est la raison pour laquelle je vous ai proposé plusieurs versions. Donc concernant cette application, on va dire, donc Secunia PSI. Qui est autrement dit Personal Software Inspector. Il vous permet en fait de télécharger soit directement manuellement comme on a dit les logiciels, soit on peut aller sur paramètres. Donc par exemple là j'ai mis lancer au démarrage. Je peux également modifier le mode de téléchargement. Donc est-ce que voilà, il se met directement à jour, télécharger le programme et me laisser l'installer ou m'avertir directement. C'est un peu comme le Windows Update. Donc vous voyez que ce n'est pas on va dire très difficile à utiliser, même c'est vraiment simple et en plus c'est en français, donc il n'y aura aucun problème. On peut voilà donc appuyer sur scanner à nouveau, il va commencer à rechercher encore une fois les programmes obsolètes afin de pouvoir nous fournir ceux qui doivent être mis à jour.
On va patienter quelques instants, le temps que ça charge. Et voilà, ça a relancé en fait les programmes qui devraient être en fait mis à jour, comme vous remarquez. Voilà, donc ça n'a pas ajouté plus que cela, et on voit bien que le reste, pour ce programme, il est déjà à jour, donc il n'y a pas de souci sur ce point. Donc voilà un peu tout au niveau des logiciels que je vous présente aujourd'hui. J'espère que ces programmes gratuits vont vous être utiles, et que ça va vous permettre d'avoir un ordinateur digne de ce nom, on va dire d'une manière voilà, à jour au niveau des logiciels, et que vous n'ayez aucun problème au niveau de votre système d'exploitation ni au niveau des programmes que vous utilisez quotidiennement. N'hésitez surtout pas de mentionner votre avis au niveau du commentaire, et si vous avez des questions, je serai à votre écoute. Et comme je disais, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez surtout pas de vous abonner afin de pouvoir suivre l'actualité et les nouvelles vidéos que je vous propose. Et il me reste que de vous souhaiter sur ce une agréable journée, et portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt.